Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo pour vous présenter des maillots de bain que j'ai reçus du site Kepshi, je pense que ça se prononce comme ça. Alors c'est un site qui vend essentiellement des maillots de bain, mais je crois qu'il y a également des vêtements, enfin il y a pas mal de vêtements de plage pour l'été quoi, il y a des robes également, et qui fait également des grandes tailles. Donc vous recevez ça dans un colis très bien emballé, et chaque maillot de bain est emballé dans des petits sachets comme ça individuels, vous voyez, qui sont fermés. Donc déjà je trouve ça super sympa parce que ça, on peut le réutiliser quand vous sortez de la plage. Il y a des petits trous pour évacuer éventuellement l'eau qu'il peut y avoir dedans, donc ça c'est top. Voilà, donc j'ai pu choisir 5 ou 6 maillots de bain, je ne sais plus, je vais vous les présenter. Alors c'est des maillots de bain qui sont pas donnés au niveau du prix, mais franchement la qualité elle est ouf. On voit que c'est de la qualité. Je vais vous décaler. Je vais vous laisser une petite place ici pour vous mettre les photos. Alors habituellement quand je vous montre comme ça les vêtements que je reçois des sites ou des achats que je peux faire, je les porte, sauf que là je ne vois pas porter des maillots de bain sur ma chaîne YouTube. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je ne me vois pas défiler en maillot de bain sur YouTube. Clairement voilà, c'est pas mon délire. Je ne suis pas très à l'aise avec mon corps. C'est pas pour m'exposer à moitié à poil sur YouTube. Voilà, donc je vais vous les présenter, je vais vous montrer la photo et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je suis contente des motifs déjà que j'ai choisis. Bon, c'est moi qui les ai choisis, donc heureusement. Alors, je vais commencer par vous montrer. Je vais reculer peut-être un petit peu. Hop. Alors, tout d'abord, j'ai pris celui-ci. Je vous mettrai également les prix et tous les liens seront en barre d'infos ainsi que mon code promo. Donc, n'hésitez pas à aller le voir et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé sur le site. Ça m'intéresse. Alors, donc j'ai reçu ce maillot de bain là qui se présente comme ceci, donc avec des fleurs et marinière en dessous. Vous l'attachez au niveau du cou. À l'intérieur, vous savez, des petites moumoutes là au niveau de la poitrine, donc c'est bien parce que ça maintient un peu plus. C'est un dos nu et au niveau de la culotte, elle est comme le haut en fait du maillot de bain. Donc, il faut savoir sur ces maillots de bain qu'ils sont quand même très échancrés au niveau de la poitrine. Donc, faut pas avoir peur de montrer un petit peu votre poitrine parce que c'est quand même assez décolleté. Mais c'est très joli et avec la tache comme ça au niveau du cou, ça maintient très bien, il n'y a pas de souci. Donc, voilà pour ce premier maillot de bain. Franchement, la qualité est top. Il n'y avait aucun fil. On sent que la matière, c'est pas le truc de merde. Clairement, je vous le dis. Ensuite, alors celui-ci, il est malheureusement trop grand. Donc avec celui-ci, pour le coup, on voit vraiment toute ma poitrine. C'est dommage parce que je le trouvais magnifique. Donc c'est un peu un vert bleu vert canard. Il est sublime. Je sais pas si... Ouais, on va peut-être pas très bien voir la couleur. Rayé comme ça, noir et blanc. Pareil, dos nu. Et la culotte est comme ceci. Vous avez là les petits... Ouais, c'est plissé en fait au niveau des côtés. Il est magnifique, mais je vous dis au niveau de la poitrine, clairement on voit mes seins quoi. Donc je l'ai pris trop grand, c'est de ma faute. Hein. Voilà, il fallait que je regarde le guide détail. D'ailleurs, je vous conseille de regarder le guide détail quand vous prenez sur internet parce que au niveau des mesures et tout, vous voyez, moi j'avais pas pris et c'est trop grand. Mais il est très très joli, la couleur est très très belle. Ensuite, j'en ai pris un noir. Qui me va, donc ça c'est top. Il n'y a que celui-ci que je viens de vous montrer qui me va pas. Donc il se présente toujours attaché au niveau du cou. Je trouve que ça change des bretelles basiques. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est les vacances donc j'ai mon fils avec moi. Voilà, toujours des fleurs. Hein. On connaît mon amour pour les fleurs, donc des fleurs au niveau de la poitrine. Ensuite, il est noir basique et toujours un dos nu. Avec la culotte qui rappelle toujours en fait là le soutien-gorge quoi, en gros, qui est dans le bas du dos. Donc franchement pareil, très bonne qualité, rien à dire, très très jolie. Je suis trop contente parce que du coup je vais pouvoir changer de maillot de bain très régulièrement cet été et ça c'est cool. Ensuite j'ai voulu craquer pour un deux pièces et je ne regrette pas du tout parce qu'il est magnifique. Alors les deux pièces, avant je mettais que ça et depuis que j'ai eu mes enfants, j'aime pas spécialement montrer mon ventre. Du coup je favorise plus les une pièce quoi, le maillot de bain une pièce. Et là je suis trop contente de ce maillot de bain deux pièces. Il se présente comme ceci, donc pareil c'est un peu un vert sapin. Il est trop trop beau.
Donc vous avez le haut et en fait là les petites franges elles tombent comme ça sur, sur votre ventre en fait. Vous voyez, ça tombe un peu. Donc ça cache votre bidou et comme la culotte est taille haute, du coup on voit pas votre ventre. Donc ça c'est top, il est comme ceci, derrière c'est croisé. Il est croisé le dos, très très joli franchement. Voilà. Et la culotte est comme ceci. Comme je vous dis, c'est une culotte taille haute. Voilà, la culotte elle est comme ça, elle est trop belle. Vous voyez toute cette partie là en fait, c'est au niveau de votre ventre. Donc elle est trop trop jolie. Oh, j'aime trop. J'aime trop, je suis trop contente. Et mon coup de cœur, mais je sais pas si... voilà, je pense pas que je le mettrai à la plage. Genre voilà, ça pour moi c'est un truc que tu mets peut-être dans une piscine plus privée, parce que c'est assez sexy. Et en fait quand j'ai découvert le site Cupshe, c'est ce maillot de bain là que j'avais mis en premier et que je trouve magnifique. Je trouve magnifique. Celui-ci je l'ai pris en taille plus petite parce qu'il n'y avait pas le choix. Et au final j'aurais dû prendre tous les maillots de bain en cette taille là. J'aurais dû prendre tous les maillots de bain en cette taille puisque les autres sont un peu grands, mais ça va, ça fait pas trop trop grand non plus. Il est comme ceci. Alors vous avez donc des bretelles comme ça, le devant qui est avec un rayé avec de la dentelle noire, donc avec un décolleté comme ça très très beau. Vous avez là, vous voyez sur le devant, mais c'est tellement joli. Voilà, une pièce. Et l'arrière, vous avez les bretelles qui sont croisées à l'arrière, hop, croisées derrière. Vous avez le haut du soutif et vous avez pareil le dos qui est décolleté. Je les ai déjà tous lavés, hein. Ça n'a pas bougé bien évidemment. Vous avez toujours à l'intérieur là les petits coussins. Et celui-ci est sublime. Vraiment, ça vous fait une poitrine les gars. Trop trop beau. Et les lignes comme ça dans ce sens là, ça a tendance à amincir un petit peu, donc c'est top. Bon du coup voilà pour les maillots de bain que j'ai reçus du site Cupshe, comme je vous disais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celui que vous avez préféré. J'avoue que je suis contente de tous les maillots de bain, mais celui-ci reste mon préféré. Vraiment, je trouve trop trop beau. Je suis trop contente, je vous dis, je vais peut-être vous détailler un peu plus les coutures pour que vous voyez que je vous mens pas. Vous voyez les coutures, comment elles sont bien faites. Voilà, donc top top top. Merci beaucoup aussi de m'avoir envoyé ces maillots de bain. J'ai déjà hâte que les beaux jours arrivent, vraiment les beaux jours, parce qu'aujourd'hui il fait beau mais pas assez chaud pour se mettre en maillot de bain les gars. Que l'été arrive, en plus cet été si tout va bien, nous partons en Corse chez ma meilleure amie. Donc je vais pouvoir voilà, amener tous mes maillots de bain, ça va être trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si vous avez déjà commandé sur le site, celui que vous préférez, et voilà, me donner un petit peu votre avis. Désolée pour le non-essayage des maillots de bain, mais sincèrement je me sentais pas du tout d'essayer des maillots de bain en vidéo. Voilà, je suis pas à l'aise avec ça, autant les vêtements il n'y a aucun problème, autant les maillots de bain et les sous-vêtements c'est pas possible. Voilà, bref. Du coup, je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite.